Et salut tout le monde, Sonic, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play sur le jeu Sea of Stars. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, toujours content de continuer cette aventure. On va continuer de progresser dans le 100% du jeu, enfin 100%, en tout cas toutes les quêtes secondaires qu'on peut faire pour l'instant. Et j'ai eu une surprise après avoir fini de record le dernier épisode. J'ai voulu parler à mes personnages, juste histoire de voir les dialogues quoi, et j'ai eu une surprise en fait en parlant à Serail. Ce qui fait que j'ai Alt+F4 direct parce que je voulais garder ça pour qu'on le fasse ensemble, puisqu'il y a un dialogue assez particulier quand on lui parle. Donc on va regarder ça ensemble. On y est presque. Quelque chose fracasse. Notre menace potentielle pèse sur mon peuple, mais je suis pas sûr de pouvoir gérer seul. C'est quoi? La reine d'antan. La fameuse! Donc moi qui pensais qu'il fallait trouver les données, je sais pas quoi, machin truc bidule, pour y accéder, bah c'est peut-être pas ça en fait. On va voir. Nous cartographions étendues ces ruines depuis longtemps, mais nous n'avons jamais réussi à la trouver. Quel point avantage sur l'inventation? Une pensée effroyable en effet. N'y a-t-il aucune piste que nous pourrons suivre? Les chances de réussite sont minces, mais une sonde a ramené ceci d'un des groupes de recherche. Boucle de ceinture d'une chose. C'est de Natix pour voir si nous ne pourrions pas apprendre quelque chose, si nous avons le temps, bien sûr. Ça vaut le coup d'essayer. Ah, je vais regarder un truc. Je peux voir le nombre de coffres, je crois, dans le jeu tout court. Attendez, c'était pas là. Non. Bateau et coffre. Ouais. Ok. Alors. Du coup, on va faire ça. Mais c'est vrai que j'ai deux histoires à lire. Expédition cérulienne. Attendez, je vais voir les autres persos parce que. Peut-être des trucs à dire aussi. Je suis prête. Ok, bon, bah merci. Psyol, je sais pas où est-ce qu'il est, il a parlé mais il est pas dans le coin. Voilà. Toi. Hein? La manette de la chaîne montre quelque chose sur la carte. Quoi? Quant à Chimissi, vous de nous dire quelque chose? Peut-être qu'on devrait enquêter sur ce lieu. La fuck, mais il se passe trop de trucs. Il veut que j'aille au royaume des nuages. Mais Epsiol, il est où? Parce que le mec parle tout le temps, mais il est jamais là. Ah. Dale, un mot si je puis me permettre? Bien sûr, qu'y a-t-il? Depuis que le grand alchimiste m'a donné cette forme, je suis impatient de prouver que je suis un vrai guerrier. Ce que ça vaut en ce qui me concerne, vous l'avez largement prouvé. J'apprécie ce que vous me dites, brave moine, mais je désire quelque chose de plus officiel. Comme quoi? Durant le temps que j'ai passé dans votre monde, j'ai entendu une rumeur à propos d'un endroit où des combattants s'affrontent à l'amiable. Ah, mais je l'ai fait déjà. La reine de la chute de l'autre, à Brisk. Après Yolande, les habitants de la ville l'ont construite pour reprendre le grand cratère laissé par l'autre du conflit. Ça a l'air amusant. Zayd, je sais que le temps presse, mais si nous pouvions visiter Arena Brisk, je vous en serais très reconnaissant. On l'a fait, mais... C'est pas grave, je t'en veux pas de pas... avoir de souvenirs. Par contre, ouais, il y a un truc avec Reshan aussi, du coup. Bizarre, tout ça. Bon, lisons cette histoire. Est-ce que t'as, on la lira la prochaine fois. Je suis ici spécial, c'est le journal d'un aventurier. Vous devriez peut-être prendre des notes. Journal de jour, expédition cérulienne, jour 1. Vous n'attendez pas à ressentir de la peur aussitôt. Je pense qu'on risque de tomber par hasard sur elle, la reine d'antan. Mais nous devons la trouver, où elle pourrait prendre l'avantage sur lamentation. Même la lune engloutie, c'est que cette trahison nous a fait suffisamment souffrir. Nous sommes trois équipes. Les autres sont menées par Brocu et Elbi. Notre plan,
Chaque équipe a une série de 4 directions à explorer. 4 directions, 4 jours, après quoi nous faisons demi-tour pendant 4 autres jours et nous comparons nos notes. L'équipe de Brocu, ou Brochu en fait, en vrai peut-être Brochu parce que Brocu ça fait, si j'avais pas relevé mais c'est un peu bizarre dit comme ça. L'équipe de Brochu part au nord-est, sud-est, sud, puis nord-ouest. Oh là, ok, alors. On va prendre on va prendre des notes, hein. Ah, excusez-moi, je prends des notes. Nord-est, est, sud, nord-est. L'équipe d'Elbi s'occupe du sud-ouest, sud, sud-ouest, puis est. Attendez, sud-ouest, sud, ouest et est. Quant à mon équipe, nous allons au nord. Est, nord-est, puis sud. Nord-est et sud, hop. On a deux choses, expédition céruléenne, jour 9. Mais il manque un truc là, non? Bizarre. Ce n'est pas incroyable, et pourtant une seconde lecture de nos notes, et ça me saute aux yeux. Je lui ai dit que tout allait bien les deux premiers jours, puis quelque chose clochait. Eh bien, comme s'est senti perdu tout le temps, sauf le jour 4 où tout le monde avait retrouvé de l'énergie. Quant à moi, j'avais raison, le jour 3 était spécial. Ça, ma grande vitesse devrait nous conduire à son trône, et comme tous les autres, n'est plus alimenté de aucun moyen d'avancer. Et vu que j'ai perdu toute mon équipe, pour arriver jusqu'ici, il n'y a pas de retour possible non plus. Ça est fini pour moi, j'imagine. Je vous lisez ceci, c'est que vous avez trouvé mes affaires. Alors qu'on le sache, Joss était là. Hein? Ah, attendez. Parce qu'il y a un truc particulier... que j'ai pas relevé en fait. Une seconde lecture de notes, c'était Brochu a dit que tout allait bien les deux premiers jours puis quelque chose clochait. Ça voudrait dire que genre nord-est sud-est est peut-être la bonne direction. Eh bien, raconter cette sentie perdue tout le temps, sauf le jour 4, tout le monde avait retrouvé de l'énergie. Quant à moi, j'avais raison, le jour 3 était spécial. Ok. Je sais pas si c'est suffisant pour trouver. Ok. Alors, avant toute chose, on va aller affronter l'horlogère. Puisque on a désormais la roulette platine. On va pouvoir faire ça. Mais ouais, le truc des directions, on va voir. On verra une fois dans le désert si on fait pas de ces expérimentations. J'ai la flemme de récupérer tout ça. Faudrait que je me refasse des plats d'ailleurs. On va voir toute cette nourriture. Il faudrait que j'essaye de faire des plats que j'ai jamais fait pour faire avancer mon succès de cuisiner tous les plats. Ça aussi, c'est un truc que je devrais noter pour savoir quel plat j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Yo! Je vois que vous avez une roulette en platine ici, Hiro. Alors, vous aimez mon jeu? Je vais vraiment me défier, je vous accorderai un peu de temps. Expert! Balance ce que t'as. Ah ouais, carrément! Elle a des skins et tout.
Allez, je reste sur cette configuration. Imaginez, en récompense, on obtient ce skin pour nos personnages. Ça serait stylé, en vrai. Parce qu'ils sont classe, ces trucs. Ah, c'est con, j'aurais pas dû faire agir mon... Enfin, j'aurais pas dû faire un point pour mon mage. Parce qu'il allait agir dans tous les cas grâce au prêtre. Oh ouais, mais ils ont vraiment la classe ces trucs. On arrive au moment où avoir trop de murailles va me servir à rien. Vu de ce que je me prends dans la tronche. Ah, je peux plus me protéger. Ah, il va pouvoir agir direct en plus là. Ça va faire mal. Heureusement que je me suis fait gagner quelques points de vie quand même. Ah, j'avais pas vu en or, il est stylé aussi. Voilà. Quoi, oh, déjà? Bon, ça va, j'ai au moins un mur. Et ça, c'est très bon. Ah, c'est pas mal. Ah purée, je pensais plus aux bombes. Ouais, j'y pensais pas aux bombes. Ça peut être fatidique, ça. Attendez, si je fais ça, je vais poser une bombe à la fin. Il faut au moins une barrière. Pas besoin de monter plus haut. Bah ok, cool. Bon après, j'avoue, on se sent en sécurité avec autant de barrières. Vas-y, je fais ça, c'est simple mais efficace. Je vais me prendre une bombe, hein. Oui. Je vais me prendre une autre bombe.
C'est chaud. Un cran, ça descend deux crans, trois crans. Non, ce sera pas assez. Ah merde. Ah, il agit. Ah non, mais ça, j'ai un mur. J'ai cru que c'était perdu. Bon, c'est pas loin d'être perdu, mais. J'aimerais bien faire agir mon prêtre. Non, mais stop! Stop, trop d'XP, trop de. Je vais perdre. Parce qu'il va. Il va mettre une bombe. Ah oh, merde quoi. Égalité. C'est quoi égalité? C'est perdu, je pense. Et une égalité. Et tu t'en fous? Je crois que c'est la première fois que je fais une égalité. Oh, fait chier. C'était serré, hein. Ah, parce qu'elle change à chaque fois. Oh ouais. Oh, relou. C'est perturbant en bleu, là, son truc. C'est chiant là, je vais devoir avoir mon mur assez haut en permanence. Ah, c'est ce genre de partie où le jeu ne va jamais me donner de marteau, donc c'est cool. Ah, puis vraiment, là, je vais me faire défoncer, quoi. Ah, ça va être la partie où ça va m'énerver parce que le jeu va être contre moi, en fait. Ah ouais, non, mais j'ai très envie de faire ça pour faire max XP, en fait. Ah, en fait, faire autre chose, ça servira. Allez. Mais on est d'accord que moi, je peux jamais avoir 3. Depuis le début de mes parties de roulette, j'ai jamais eu de 3. Il n'y a que l'adversaire qui a eu des 3. Ah si, j'ai pu avoir des 3, il y en avait un là de 3. Ah bah voilà. Il suffisait de râler. Ah, c'est pas trop tôt, bordel. Je sais pas ce que je voulais. J'aurais dû accepter ce que le jeu me proposait. Hey, je suis mort parce que j'ai pas assez de barrière, cool. Voilà. Et puis en plus une bombe histoire de. Histoire que ce soit pas suffisant. Ah, je préférais ta compo de tout à l'heure là parce que ça c'était chiant. En plus elle a jamais fait agir son truc là, son. Ingénieur, j'ai un vrai souci avec les marteaux dans ce jeu. Ils m'en donnent jamais. Dans la partie où j'en avais pas besoin des marteaux, ils m'en a donné plein, je crois. Et dès que j'ai besoin d'avoir plein de marteaux, ils m'en donnent jamais.
Ok, bon, ça c'est gentil. Je vais essayer de se faire pardonner apparemment. Bon, après c'est pète couille parce que... Il a le mage quoi, donc dans tous les cas il va me faire des dégâts. Bon, après c'est bien la raison pour laquelle je joue mage, hein. Par contre ouais, ça fait 3 parties de suite qu'il est assassin, je t'avoue que j'aime pas trop. Ça me déplaît un peu. Bon, je vais me faire pas mal de murs pour me protéger à l'avance du mage. Attendez, les charges utilisées en trop, ça fonctionne au tour d'après? Parce qu'il était monté à 5 et il est redescendu à 4 tout seul. Ah putain, ça fonctionne! Moi je savais pas! Attendez, ça c'est 1, 2, 1, 2, 3, 4, non mais non mais non. Alors, attends, j'arrive pas à compter. Ça descendait d'un cran, ça se permettait de descendre deux crans, trois crans. Oui non, ça, non, non, ça compte pas. Pourquoi il a descendu d'un cran alors? Ou alors en montant de niveau il coûte moins cher, c'est ça? J'ai pas compris. Je découpe des trucs. Ah, j'aime pas là, il a deux persos qui peuvent me toucher. Peu importe si j'ai de la barrière ou pas, quoi. Et voilà, ça fait pas descendre d'un cran après. Mais alors pourquoi le mage? Là ça coûte 4. Ça coûtait pas 5 au tour d'avant. Voilà, je crois que j'ai pas compté l'écran et que j'hallucine des trucs. Allez, c'est pas trop mal tout ça. Oh, mais j'ai gagné! Allez! Dans ta face! Enfin! T'es réussi, bien joué. Tenez, voici ce que vous avez gagné. Marteau fragile. Marteau fragile. Très fragile. J'en fais quoi? Marteau fragile? Mais c'était pas dans mes plans. J'en fais quoi de ce truc? Ah, moi je pensais que j'allais avoir un super skin pour mes... Bah pour mes trucs. Du coup, mais pas du tout. Alors marteau fragile, je sais absolument pas comment faire.
Je réfléchis s'il fallait un truc, mais ça me parle pas du tout. J'essaye de repenser à des endroits où il me fallait un objet, mais que je savais pas quoi. Non, mais je vois pas le rapport avec le marteau fragile en plus. C'est bizarre parce que j'ai le marteau de cobalt. Je pensais qu'il faut que je retourne chercher du cobalt, peut-être? Pour faire un truc? Je sais pas. Vais faire une sauvegarde parce que j'ai peur d'un crash potentiel et que je dois refaire toutes ces parties face à l'horlogère. Si j'avais fait une partie facile, ça se trouve, j'aurais une récompense. Enfin, une autre récompense, quoi. Ah, je sais pas. Ouais, du coup, attendez, faut que j'aille. Truc des nuages ou je sais pas quoi là? Aussi, avec ça? Ah, mais non! Non, ok, oui, il me montrait ici en fait pour trouver son objet. Son truc quoi, mais du coup, on s'en fout. Alors. Alors, on va aller dans le monde de Serail. Je crois que j'ai majoritairement fait tout ce que je voulais ici. Il manque des conques à trouver, je crois. Il y en a une à la tour engloutie. Il y en a une sur. Il y en a une à Brisk. Mais je pense. Oui, Brisk, à mon avis, il me faut le truc pour aller dans la taverne. Royaume des nuages, il y en a un. Île des Terres-Brunes, non, c'est que des coffres normaux. Et il y en a une dans le désert, et je crois qu'il m'en manque 4 en tout. Non, il m'en manque 5. Merde. Ah, mais il y en a une à lamentation, je crois aussi. Je sais plus. Bon, faisons déjà ce qu'on sait qu'on peut faire. Y a un coffre aussi dans l'usine, je crois. Je sais plus si c'est une conque. Bon, faites voir cette histoire là. Alors, nord-est. Puis sud-est. Sud-est là-bas. Et là, truc chelou. Parce que. Ah! Déjà, il y a un truc à trouver. Ah, mais ça se trouve, il y en avait au coup d'avant, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, ça fait bizarre de retrouver cette musique. Je me disais, elle est bizarre la musique, mais en fait, pourquoi ça met du bleu là d'un coup en lumière? Ok. Je me disais, la musique elle est bizarre, mais en fait, c'est la musique de cette zone, enfin de ce monde déjà, mais de nuit, du coup. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas la nuit avant. Et oui. C'est bizarre que ça mette cet effet bleuté dès qu'on fait un truc là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu la musique de combat, en vrai. Avec tout ce qu'on a fait dernièrement. Ok, le drone détecte rien de plus. Donc ouais. Je pense que là je vais aller au sud mais que ça va pas être bon. Ouais, je suis déjà venu. Ok.
Nord-Est. Du coup, il n'y a rien à trouver ici avec le drone. Apparemment, non. Du coup, Nord-Est de nouveau? Au vu de ce que l'histoire disait? Ok, je suis pas mauvais. Et ensuite, Est. Ok, cool. On a trouvé. Destination connue, niveau de menace élevé, voulez-vous vraiment continuer? Oui. Oui, mais du coup, j'ai jamais fait gaffe à ce tuyau qui va dans un lieu inconnu. Trône de la reine d'antan, on y est. Manœuvre ingénieuse. Avec mystique et dangereuse pour les audacieux seulement. Moins 95% de PV, les ennemis lancent des attaques spéciales. Lancent des attaques spéciales sont invincibles. Paraît au bon moment réduit les dégâts à 1. Bonus dégâts pour les attaques synchronisées x 2. Ah oui! Ah oui, d'accord. Oui, en fait, c'est du one shot quoi. Et il faut réussir à apparaître au bon moment. Ah ouais, ouais. Mais pourquoi me donner ça aussi tard? Il y a forcément un New Game Plus. Il y a un New Game Plus dans ce jeu, c'est obligé. Parce que je trouve ça bizarre de donner ça à la fin du jeu, quoi. On va faire une poutine. On va faire deux omelettes de champion. Eh, Pudding Chômeur, j'ai découvert récemment, c'était quoi? Voilà. C'est tout. Je crois que j'avais trouvé ça marrant sur le coup, le nom, mais... Là, je pensais que c'était un truc inventé. Non, non, c'est un vrai truc. Bah, c'est canadien. Alors, ouais, faut voir en même temps le studio. Voilà, la poutine. Pudding Chômeur, je suis sûr qu'en fait, si je regarde bien, il y a plein de plats qui... Ils doivent être des trucs originaires du Canada, quoi. Ou du Québec, tout ça, tout ça. Un son de groupe, un tataki, ouais, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas mal, tataki. En plus, ça me fait faire des plats que j'avais pas fait encore. Alors, en vrai, je suis long dans l'épisode, mais je pense que pour vous, pas du tout. J'ai dû faire des ellipses sur la partie de roulette. Ok, une Kong déjà, ça c'est cool. Voir un petit coup. Voilà. Et voici le trône de la reine d'antan. Il n'est pas là alors? Oh, elle est bien là. Vous êtes prêts? Quand vous voulez. Oh, stylé, hein. Oh, j'adore son chara-design. Bal, 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 bal. Baila, baila, ba. Ok. C'est pas ce que je dis. Déesse des armes, ok. D'accord, bon, j'ai été un peu innocent en pensant que ça pourrait potentiellement éliminer toutes les balles. En fait, elles doivent avoir masse vie les balles. Ah mais elles résistent à tout, il y a un truc auquel ils doivent pas être résistants quand même.
Ah bah c'est... Ok, c'est parti. Ah, je pensais que ça allait pas tirer. Ok, en fait, ça... Ah, elle les fait revenir un peu. Je comprends pas, ça sert à quoi les balles, en fait. Je pense qu'il faut pas que je m'emmerde à attaquer les balles, hein. Je sais pas, c'est bizarre. Ça fait mal. Attendez. Il sera attaqué les balles un peu. Non, annulez tout. Alors je t'avoue que du coup, solo rank, je suis pas très fan de l'idée parce que ça va me faire galérer plus qu'autre chose. Éliminer les balles, je comprends pas à quoi ça sert. Ça réduit même pas les dégâts en fait. Ah ouais, oula. Attendez. Ah, ça a pas passé. Ça passe, mais... C'est nul. T'es tout mou cette attaque. Y'a même pas de bruit ou quoi. Ça me perturbe. Et on fait ça. Ah merde. Ah
Ah, on peut appuyer deux fois. Au moment où il se prépare à rebondir et au moment où il tombe. Oh. Intéressant. En fait, son truc des balles, ça doit être utile quand elle fait une attaque chargée, là. Non, parce que sinon, je comprends pas l'utilité, vraiment. Un petit heal. Histoire d'être bien. Ah mais du coup il y a plein de balles. Ah oh, bah oui, ouais. Ça m'a perturbé. Déjà ça pour commencer. Un truc qui passerait bien, c'est le seul rang en fait. Mais faut que j'y arrive quoi. Je prends un risque. Ah, j'ai touché qu'une fois. Bon, c'est pas grave, ça suffit. Ça suffit pas du tout, je suis trop con, il fallait que je fasse une attaque normale. Merde. Pas fou. Non merde, je peux pas. Je peux pas l'empêcher. Il fallait que je laisse un boost par terre en fait. Et j'en ai pas essayé, voilà. Pire. Ah, c'est là que les balles sont importantes du coup. Je suppose. Ah oui, ça a enlevé des balles. Ou alors j'en ai tué. Ah, en vrai, j'avais touché que les deux du haut à un moment, donc... Ouais, je crois que je les ai éliminés, en fait, les balles. Ah bah oui, toujours plus. Ouais, hein, toujours plus. Jamais y arriver.
Je suis con. Voilà ce qui se passe. J'ai réussi. Allez, dans le mal. Elle est affaiblie, on l'a presque là. Allez, avec ça, on la tient, je pense. Non! Elle était plus résistante que ce à quoi je m'attendais. Ah, bah voilà. Et petit level up, ça faisait longtemps. Y'a une stat que je peux pas lui augmenter? C'est quoi? Je sais pas, mais en tout cas ils veulent pas me laisser augmenter une stat. Ok. À elle aussi. Bizarre. Il va y avoir une explication, mais je sais pas c'est quoi. Elle a enfin payé le prix pour sa trahison. Merci, mes amis. De rien. Ah, il manque de données. Célèbre dague légendaire détectée au milieu des décombres. Ah, bah oui, son arme. Ouais, du coup. Action recommandée, piller et équiper. Oh oui, c'est pour me servir. La tenue éclat d'étoile. Oh, c'est joli comme nom. Ne reste rien, passez devant. Des dagues légendaires fabriquées avec les larmes d'un monarque déchu. Oh. C'est dommage qu'ils aient pas d'effets spéciaux ces armes par contre. Triste. Ok, alors il me reste quoi en secondaire à faire? Bah, à trouver les cons qui me manquent, en vrai. Je vais peut-être les chercher de mon côté, je me dis. Bon, réexplorer les zones juste pour trouver les cons. Dans tous les cas, on va s'arrêter là, je pense. L'épisode est suffisamment bien rempli. On aura fait un boss, la roulette... je sais plus trop ce que j'ai fait aussi au début. J'ai fait des trucs. Je sais plus trop ce que j'ai fait. Voilà. Je pense que l'épisode est bien rempli. Même avec l'ellipse. Donc voilà. J'espère que cet épisode-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour la suite de l'aventure. Allez, salut tout le monde. Bye bye.